Zombie apocalypse. Donc salut à tous, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Comment avoir des ressources un peu illimitées, comme on va dire, sur Payday. Donc c'est un glitch. Je vous rassure, vous allez quand même prendre beaucoup de temps avant d'avoir des ressources, beaucoup de ressources, mais ça va énormément vous aider. Donc glitch, c'est tout simplement, je vais pas vous dire tout de suite, vous allez voir par la suite avec un exemple. Sans coupure, etc. Juste faire une coupure au moment venu parce que tant que je ferme la zone, etc. Donc tout simplement, si vous pouvez faire mes zones à l'infini, donc si vous avez du temps, en gros, et ben vous pouvez faire des zones à l'infini. C'est mon clan qui a découvert, et du coup, je vais peut-être être le premier à le faire sur YouTube. Je sais pas, je vais regarder après. J'ai regardé déjà un petit peu avant, vite fait. Mais il me semble que je suis le premier francophone ou même mondial à le présenter sur YouTube. Donc je suis assez content pour une fois que je trouve un bon truc. Donc voilà, je vais juste ranger un petit peu de stuff et puis on va partir sur une petite séance de farm. Je vais mettre en x8, je pense, la petite séance de farm. Et puis après, je vais. Ouais. Je vais pas skip, juste mettre en x8. Pour que vous voyez que je farm, que voilà, je suis tranquille comme un vrai joueur. Et puis après, il y aura la version, on va dire, hack. Enfin, hack. C'est pas un hack, c'est. Ce n'est pas un hack, c'est un glitch. Ce que je redis, c'est un glitch qui permet du coup d'avoir des ressources. Mais c'est pas un hack du moment où. J'active le hack, j'ai des ressources illimitées, etc. Non, c'est un glitch. Pour justement avoir des ressources pas illimitées mais presque je vais faire ça vite fait tant de vous parler. Quand vous allez faire un glitch, vous allez avoir très peur parce que c'est une manip assez c'est une manip assez qui fait assez peur, vous allez voir. Mais franchement, moi aussi j'ai peur, mais tout simplement c'est très bien passé, il n'y a pas eu de données qui étaient. Faut juste que vous soyez connecté à votre compte. J'ai pas essayé si vous êtes sans compte. Si vous n'êtes pas connecté à votre compte, ça se trouve, ça va complètement enlever votre sauvegarde. Donc faudrait vraiment connectez-vous à un compte. Je préfère le dire. Ça se trouve, ça marche quand même. Mais je préfère le dire parce que j'ai pas envie d'avoir des comptes perdus sur le dos. Et puis voilà. Donc du coup on va s'attaquer aux farms, on va juste prendre une petite batte de baseball parce que je risque du coup de faire pas mal de farms. Et puis voilà. Et aussi ça reset votre vie. Donc ressources limitées plus reset de vie. Donc c'est magnifique. Alors que c'est juste un petit truc qui fait que voilà. Vous allez comprendre, juste 30 à bouffer. Et puis on se met en x8. Sur un petit truc, donc vous pouvez voir, j'y farm. Maintenant, il reste 26 minutes pour retourner à farm. Donc, tout simplement, la petite astuce, vous faites ça. Tout simplement, vous pouvez aussi le faire normalement. Hein. Info, application, effacer les données. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, soyez connecté à votre compte. Vous revenez en arrière. Hop. Non, s'il te plaît. Ok, et là, vous retournez sur Payday. Ça va vous demander à. Et là, vous allez avoir peur parce que vous croyez, ça redemande tout parce que vous n'avez plus votre compte. Mais vous inquiétez pas parce que vous allez avoir votre compte. Et à imaginer, j'ai plus mon compte, j'aurais essayé, alors que j'ai essayé 20 fois avant la vidéo. Bref, vous allez voir. Vous allez vraiment voir. Et ça peut être du coup très sympa. Du coup, pour farm.
et améliorer vos murs en attendant les raids. Donc, surtout profitez-en parce que ça risque d'être patch dans pas longtemps. Pour l'instant, il n'y a aucun administrateur qui essaie pour l'instant, il me semble. Hein. Il n'y a pas eu de ils n'ont pas apparu de glitch par rapport à ça, sur Discord ou autre. Donc ça devrait passer. Et là, regardez, oh, il n'y a eu aucune coupure, on est d'accord. Et puis c'est reset. Et en plus, j'ai ma vie niveau max, il me semble. Je sais pas si ça marche aussi. Ma vie niveau max aussi. Donc c'est parfait. Et vous pouvez voir que j'ai bien mon inventaire. Donc, franchement, les gars, un glitch à prendre. Vraiment. On va dire 10 gemmes pour le prochain glitch. J'en ai bien dans la tête. Même 2. Donc 10 gemmes. Et je ferai un autre glitch sur Prayday. Dites-moi sur quel jeu vous voulez que je fasse des glitchs. Et je pense que je resterai sur Prayday pendant longtemps parce que c'est un bon jeu. I love Prayday, comme on dit. Du coup, voilà, donc petite présentation de mon clan, vite fait. C'est Darkseid. Je suis quatrième. Et on est, on n'est même pas. Ah, si, 16ème du clan. 16ème meilleur clan du monde. Donc, franchement. N'hésitez pas à venir, c'est dédicace à eux d'ailleurs. C'est un clan anglais par contre, pour ceux qui veulent un clan français. Mais dédicace à eux parce que c'est eux qui m'ont montré le glitch de base. Et puis du coup, j'ai fait la vidéo parce que personne n'avait fait encore sur YouTube et eux ils ont pas de chaîne appropriée pour faire des trucs comme ça. Bon, moi je vous laisse tout simplement, vous avez un petit glitch. Voilà, donc c'est ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais faire ça pour farm. Le bois, j'ai déjà échangé, tout à l'heure j'ai déjà échangé 300 bois et là je suis en train de farmer, j'en ai déjà 300 ou 400 donc bon, je vais vous montrer un peu tout le stuff que j'ai et puis je pense on se quittera ici donc niveau 32, vous voyez au dernier live il y a 4 jours, j'étais niveau 18 donc vous pouvez avoir, j'ai vraiment tryhard ma base ici, elle est vraiment améliorée. Donc on va mettre du coup le bois ici. Bon, vous pouvez voir, je n'ai pas beaucoup. Et là, boum, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup farm. Plus il y a les blocs de pierre derrière, etc. Voilà. Ça c'est vraiment très dur à faire. Faut que je prenne une zone appropriée. Donc il y a la zone de la route, la zone verte. Et puis voilà. Moi je vais laisser là-dessus. Donc vous savez, un glitch, profitez-en le maximum, farmez H24 les potos, parce que quand ça va être patch, et ben on aura tout ce seum. Donc voilà, moi je vous laisse avec cette magnifique image de ma base. D'ailleurs je pense que je vais bientôt faire mes murs. J'ai commencé mes murs niveau 2 et je vais bientôt finir les murs niveau 2 de ce côté. Et puis ça peut être très sympa de faire un beau truc. Bref, moi je vous laisse les potos. Je vous dis ciao pour un nouveau glitch, une nouvelle vidéo. Je rappelle, il y aura toujours du Critical Ops, mais il y aura du Prayday maintenant pour un peu diversifier le contenu, pardon. Parce que Critical Ops dans tous les sens, ça c'est chiant à force. Donc, moi je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo plutôt. Ciao!